Bonjour et bienvenue sur Dark Otaku Gaming, et on n'a pas le temps! Dans 7 minutes exactement, le monde sera détruit. Ah, pas vraiment le monde, juste l'usine, quoi, c'est tout. Et surtout que je porte Barrette sur mon dos normalement. C'est genre, allez, viens, Barrette! Et pourquoi c'est pas toi qui marche? On avait conclu que non. Ça va? Zut, je me suis coincé la jambe. Merci. Donc si je n'étais pas venu lui parler, elle serait morte. Et ouais. C'est à ce point. Oh bah t'es vraiment malin. Ouais, j'aurais dû faire utiliser des potions. Vous allez voir! Potion! On n'a pas le temps, il reste 5 minutes pour sortir. On saute. Vite, vite. On n'a pas le temps. Oh, attendez. Voilà. Voilà qui est mieux. Mais pourquoi t'as fait ça alors qu'on court? Je m'en fous. Je veux que t'aies une bonne arme. En plus, l'autre, elle est même plus là. Déjà, ça veut dire qu'elle a déjà pris l'ascenseur et qu'elle m'a laissé tout seul. Jesse, enculé! Allez, Biggs, allons-y! Oui, allons-y, oui. Code déchiffré! C'est moi! Code déchiffré! Mais courez, bande de cons! Oh non, ils m'ont rattrapé! Quatre minutes. Moi, je me plains pas, ça fait de l'XP, hein. Nouvelle arme! Voilà, maintenant tu vas fermer ta grande gueule! Le grand coup! Boum! Je ne contrôle plus rien! A boom. La pluie. Attends, Bix, c'est... La planète devrait survivre un peu plus longtemps maintenant. Ouais. Ok, reculez-vous tous!
Il a le feu au cul. Bon, sortons d'ici. Rendez-vous à la gare du secteur 8. Séparez-vous et montez dans le train. Hi. Hey. Si c'est pour ton argent, tu l'auras lorsque nous serons arrivés au QG. Non, c'est juste que ta braille est ouverte. Connard. Quoi? Rien. Ah, Loveless. C'est une pièce de théâtre. Blah! T'es il bourre. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, et... Je vois... rien, écoute... Je ne vois pas beaucoup de fleurs par ici. Ah, celle-ci, tu les aimes? Elles coûtent 15 guilles. J'en achète une. Oh, merci. Tiens. On y va. Ah, je pouvais aller par là, bah, c'est pas grave. Bah, je peux essayer d'y retourner. Il y a un truc là, donc... est-ce que je peux y aller? Ou est-ce que c'est Keblo? Non, c'est pas Keblo. Et c'est cette zone là, ok. Donc voici le secteur 8 après l'explosion du réacteur. Ça a fait un petit souffle et ça crée un mouvement de panique. Sauf ici, étrangement, cette personne n'est pas paniquée du tout. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Ça fait bzzz. Qu'est-ce que c'est là-bas sur le mur? Allons voir. Ne vous laissez pas avoir par la Shinra, l'énergie Mako ne dure pas éternellement. La planète puisse son existence dans le Mako, la fin est proche. Protecteur de la planète, Avalanche. Ouais, c'est Barrett qui a écrit ça, il est très poète quand il veut. Pim, papam. Hé, hey, toi là-bas! Des soldats Shinra. De l'XP. J'ai récupéré tous mes PV. Donc, on va se faire un petit plaisir. Tiens, prends un coup de matraque. Tu m'as loupé. Tu n'aurais pas dû. Que diable ? Quand je suis dans un RPG, généralement, moi, c'est XP, XP, XP. Alors, peut-être que pendant certaines phases, du genre, voilà, il se passe rien, je peux explorer, je vais jouer par moi-même pour faire un peu EP les persos quand il y en aura. Parce que là, pour l'instant, c'est mode histoire, mode histoire, mode histoire. Mais je pense qu'à la longue, il va y avoir un truc du genre « Ouais, on doit aller là. Ok, ben on prend le chemin le plus long. Et on va un peu XP en chemin pour éviter de se faire poutrer comme le dernier des Kakia. » Surtout que vous n'êtes pas venu là pour me voir mourir, mourir et mourir encore. C'est lui! Je m'en fous, je vais tous vous tuer. Vous allez tous tellement mourir que vous en serez morts. Ça veut rien dire. François, mitraillette. D'abord, je m'occupe de toi. Ah non, il s'est occupé de moi. Boum, tu regardais pas, connard. Maintenant, je vous regarde tous les deux. Ah non, il me regarde. Me regarde pas. Tiens. Vous savez, j'aime bien votre coupe de cheveux, c'est joli, on dirait un chocobo. T'as dit quoi? T'as dit que je me coiffais comme un chocobo? Oui.
En fait, c'est vrai que je me coiffe comme un chocobo. Je devrais en parler à mon coiffeur. Viens par ici. Tu ne peux pas continuer plus loin. J'ai pas de temps à perdre avec de simples soldats. Assez parlé. Prenez-le. A plus, loser. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Eh ben merde alors, qu'est-ce qu'on va dire au chef? Il s'est suicidé. Ok. Cloud n'est pas là. Cloud? Je demande s'il a été tué. Sûrement pas. Cloud. Il doit être là-dedans. Hé hey, les gars, je suis là. Oh. Dis-moi, tu penses que Cloud va se battre jusqu'à la fin pour Avalanche? Comment le saurais-je? Je suis pas voyant. Si vous n'étiez pas tous si... Eh ben arrête! Et notre argent! Rien, pardon. Les gars! Je suis derrière la porte! Les gars! Putain de merde! Vous allez m'obliger à ouvrir la porte moi-même? Cloud, Cloud, Cloud! On dirait que je suis un peu en retard. Ouais, t'es en retard! Ça commence à valser ici! Aucune importance, c'est ce que je fais toujours. Mince. Tu ne vois pas que tout le monde était inquiet? Tu te fiches complètement de nous ou quoi? Mais. Vous inquiétez pour moi? Mou du Dieu! Quoi? Je déduis ça de ton salaire. Réveillez-vous! On y va aller! Suivez-moi! On va aller dans le monde réel! Hé hey Cloud! Ça a été génial là-bas! Hé hé, Cloud! Il sera encore mieux la prochaine fois! Oui! Bon, je vais fermer ça. Parce que c'est chiant. Oh, Cloud! Ton visage est tout noir! Voilà! Merci de m'avoir aidé là-bas au réacteur. Whoopi! Comme eux! Dernier train en partance de la gare du secteur 8, le dernier arrêt est le secteur 7, le cimetière des trains. Heure d'arrivée prévue, 0h33. Heure standard de Midgard. Dégagez de mon wagon, bande de sacripants! Mais... C'est pour ça que je déteste le dernier train. Pauvre de moi. Voici ma maison. Faites comme chez vous. Arrête de faire l'enfant. Assieds-toi et ferme-la. Tu vois les titres du Shinra Times? Les terroristes ont fait sauter le réacteur numéro 1. Habitent quelque part dans le taudis. Ils ont dû bien prévoir leur coup. Il doit y avoir un vrai cerveau à leur tête. Je me demande ce qu'ils vont faire maintenant. On dirait que le train n'est pas encore passé en mode sécurité. Je suis sûr que ça va pas tarder. Un jour, Avalanche va être célèbre et moi aussi. T'es qui? S'il vous plaît, tu déranges les autres passagers, connard. Quoi? Parce que j'ai une gueule de con, c'est ça? Hé hey Cloud, tu veux regarder ça avec moi? C'est une carte du réseau ferroviaire de Midgard. Regardons-la ensemble, je t'expliquerai. J'aime bien ce genre de truc. Des bombes et des moniteurs, tu sais, la technologie. Je m'en fous.
Ok, c'est parti. Pouit. Voilà. C'est une maquette complète de la ville de Midgar. L'échelle est environ de 1 millième, enfin 1 dix millième. La plaque supérieure est à peu près à 50 mètres du sol. Une structure centrale principale maintient la plaque en l'air. Il y a d'autres structures porteuses intégrées à chaque section. Psst! Le réacteur numéro 1 que nous avons fait sauter était dans la section nord. Puis il y a le numéro 3 jusqu'au réacteur numéro 8. Les 8 réacteurs fournissent de l'électricité à Midgar. Chaque ville avait un nom, mais personne à Midgar ne s'en souvient. Au lieu d'utiliser des noms, nous les désignons par des secteurs numérotés. Voilà le genre d'endroit dont il s'agit. C'est le suivant, regarde. C'est la route sur laquelle ce train se trouve. La route décrit une spirale autour de la structure porteuse principale. Nous devrions arriver maintenant autour de la zone centrale. À chaque point de contrôle d'identité, un dispositif détecteur d'identité est mis en place. Il peut vérifier les identités et les antécédents de chacun des passagers du train. En se connectant à la banque de données centrales située au QG de Shinra. Tout le monde se doute que nous sommes suspects et nous utilisons de fausses identités. Par exemple, toi, Cloud, tu es une vieille dame de 50 ans. Quand on parle du loup, cette lumière indique que nous sommes dans la zone de vérification d'identité. Quand les lumières s'éteignent, on ne sait pas quelles créatures vont apparaître. De toute façon, on est presque revenu au sommet. Quel soulagement. Regarde, on voit la surface maintenant. Cette ville n'est ni jour ni nuit. S'il n'y avait pas la plaque, nous verrions le ciel. Une ville flottante? Quel spectacle insolite. Hein? Je pensais jamais entendre ça de quelqu'un comme toi. Ah, t'es plein de surprises. Le monde supérieur! Une ville sur une plaque, c'est à cause de cette merde de pizza que les gens d'en dessous endurent des souffrances! Et la ville du dessous est pleine d'air pollué. En plus, le réacteur n'arrête pas de pomper toute l'énergie! Alors pourquoi tout le monde ne va pas sur la plaque? Je sais pas, probablement parce qu'ils n'ont pas d'argent, ou peut-être. Parce qu'ils aiment leur terre, même si elle est très polluée! Je sais, personne ne choisit de vivre dans le taudis. C'est comme ce train, il peut aller que là où Sarah l'entraîne. Oh, c'est profond! Je sais. Non, mais vraiment, c'est profond! Je vais chialer, putain! Barrette! Chiale pas. Prochain arrêt. Terminus. Le secteur 7. Putain, le gros qui chiale au fond, il est chiant. Ouais, c'est pas la première fois, tu sais. Ouais, je vais pouvoir aller jouer. Non, tu vas faire tes devoirs. Mais on n'est pas à l'école. M'en fous. Je vais aller manger un truc. Moi, je vais aller fumer un truc. Moi, je vais aller draguer des mecs. Plus le record. Pourquoi on prend pas les escaliers comme tout le monde? Parce que vous êtes cons. Oh, vous êtes tous ici. Cette mission a été un succès. Mais pas question de vous reposer sur vos lauriers. Le plus dur reste à venir. Ne soyez pas effrayés par cette explosion. La prochaine sera encore plus forte. On se retrouve à la planque, allez dégager! À la planque nous allons. On va se retrouver planqué, mais pour vous ce sera dans le prochain épisode. Et oui, le prochain épisode de Final Fantasy VII. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Et je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil.